L'audience solennelle est ouverte. Veuillez prendre place, mesdames et messieurs. Merci, c'est gentil. La Cour est réunie aujourd'hui pour procéder aux installations et présentations de 27 nouveaux magistrats. Ceci va se dérouler en trois temps, selon l'usage. En premier lieu, la Cour installera un premier avocat général, puis seront installés et présentés deux conseillers pour exercer les fonctions de premier président de Cour d'appel, 10 conseillers affectés à la Cour, dont un en service extraordinaire, 2 avocats généraux pour exercer les fonctions de procureur général près une Cour d'appel, et enfin 2 avocats généraux affectés à la Cour. Enfin, en troisième et dernier lieu, la Cour procédera à l'installation et la présentation de 5 conseillers référendaires, un avocat général référendaire et 4 auditeurs. Donc la Cour doit tout d'abord procéder à l'installation d'un premier avocat général. Ce magistrat que la Cour de cassation installe aujourd'hui est déjà membre de la Cour puisqu'il est avocat général. C'est pourquoi il n'est pas introduit auprès de la Cour. Il est déjà présent parmi elle. Monsieur le doyen des premiers avocats généraux, vous avez la parole. Nous avons l'honneur de soumettre à la Cour un décret du 25 juin 2018 nommant premier avocat général à la Cour de cassation, M. Dominique Gaillardeau, avocat général à la dite Cour, et requérons qu'il plaise à la Cour procéder à son installation. Madame le directeur de greffe, veuillez donner lecture du décret de nomination. Par décret du président de la République en date du 25 juin 2018, vu l'avis du Conseil supérieur de la magistrature lors de ses séances des 5 et 24 avril, 3, 15 et 16 mai 2018, est nommé premier avocat général à la Cour de cassation, M. Dominique Gaillardeau, avocat général près ladite Cour. Bien, la Cour donne acte à M. le doyen des premiers avocats généraux de ses réquisitions, à Mme le directeur de greffe de la lecture du décret de nomination. Elle ordonne la transcription du décret sur le registre de ses délibérations et elle déclare Monsieur le premier avocat général Dominique Gaillardeau installé dans ses fonctions. Elle dit que du tout il sera dressé procès-verbal. La Cour vous invite, Monsieur le premier avocat général, à occuper le siège qui vous est réservé. Nous connaissons tous, Monsieur le Premier Avocat Général, votre forte présence au sein de la Cour, dont vous êtes depuis 2015 un avocat général très écouté à la Chambre criminelle. Votre parcours professionnel de magistrat du ministère public, allié aux nombreuses fonctions que vous avez exercées dans le domaine du droit financier, illustre votre compétence reconnue et légitime aux yeux de tous, votre élévation aux fonctions de premier avocat général. C'est pourquoi nous sommes extrêmement heureux de vous installer aujourd'hui en cette qualité. Monsieur le doyen des premiers avocats généraux, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Premier. Nous avons donc le plaisir d'installer un magistrat éminent, comme vous l'avez dit, connu de tous, qui œuvre déjà au sein de la Cour depuis quelque temps, et dont l'autorité et les compétences ont conduit le Conseil supérieur de la magistrature à valider la proposition de le voir prendre de plus importantes responsabilités parmi nous. C'est ainsi que M. Dominique Gaillardeau est installé ce matin premier avocat général pour la deuxième chambre civile au terme d'un parcours professionnel aussi riche que diversifié. Magistrat du ministère public, votre solide réputation de spécialiste des affaires financières vous a permis de connaître d'importants dossiers dans les différentes fonctions occupées au sein de la magistrature, mais également en détachement. Après vos débuts dans les fonctions de substitut au parquet de Tours et de Nanterre,
puis comme secrétaire général du parquet général de Versailles, fonction très très difficile et éminente, vous quittez la magistrature pour embrasser une période de détachement en devenant conseiller juridique à la direction générale des douanes, puis adjoint au chef de service de l'inspection à la commission des opérations de bourse, devenue autorité des marchés financiers. En 2005, les fonctions judiciaires vous rappellent, il faut toujours effectivement rentrer à la maison. On enrichit le corps en sortant, mais il faut rentrer. Et vous rentrez fort heureusement et vous devenez substitut général à Versailles. Vous avez là aussi fait un excellent choix. Puis procureur adjoint à Créteil et avocat général à Paris, avant de rejoindre notre cour en 2015. Votre parcours est donc un gage assuré de réussite et de confiance. De même, votre rigueur et votre très grande capacité de travail et d'adaptation seront des qualités précieuses dans l'exercice de ces nouvelles attributions de premier avocat général. En effet, coordinateur et soutien des avocats généraux de votre chambre, vous serez à leur service. Vous les aiderez à accomplir leur mission dans la mesure où cela leur serait utile, mais vous serez aussi, plus largement, un des relais importants de l'action du parquet général et du dialogue que nous exerçons notamment avec les présidents de chambre et les avocats au Conseil. Je saisis cette occasion, Monsieur le Premier Président, pour rendre hommage au prédécesseur de Monsieur Gaillardeau, Monsieur le Premier Avocat Général François Felt, magistrat hautement apprécié et unanimement respecté, auquel Monsieur Gaillardeau succède et dont il convient de souligner l'engagement, les analyses éclairées qui ont enrichi les réflexions de cette Cour et celles de notre parquet général. Il ne quitte pas tout à fait notre corps, cependant, puisqu'il s'est vu confier d'autres prestigieuses fonctions au sein de l'école de la magistrature en présidant le jury du concours de sortie, fonction extrêmement importante, comme nous le savons tous. La Cour est heureuse de s'associer, Monsieur le Doyen, à l'hommage que vous venez de rendre à Monsieur le premier avocat général Felt. Il laisse ici le grand souvenir d'un magistrat on ne peut plus compétent et loyal. Deuxième partie de cette audience, réservée donc à l'installation des conseillers, soit comme premier président, soit comme exerçant leurs fonctions directement à la Cour, avocats généraux pour exercer les fonctions de procureur général et avocats généraux affectés à la Cour. Vous avez à nouveau la parole, Monsieur le Doyen, des premiers avocats généraux. Merci, Monsieur le Premier Président. Nous avons donc l'honneur de soumettre à la Cour les décrets des 24 mai, 18 juin, 25 juin, 16 juillet, 30 juillet et 3 août 2018. C'est tellement plus simple de faire plusieurs décrets. Nommant conseiller à la Cour de cassation pour exercer les fonctions de Premier Président, Madame Marie-Christine Leprince et Monsieur Alain Châteauneuf, Madame Leprince étant destinée à exercer fonction de Premier Président à la Cour de Rouen, et Monsieur Châteauneuf, celle de Saint-Denis de la Réunion. Décret nommant également conseiller à la Cour de cassation, Madame Marie-Christine Daubignet, Monsieur Bèche, Madame Hotte, Madame Sanchez-Sudre, Madame Somme, Monsieur Gessel, Madame Leroy-Gissinger, Monsieur Mornay et Monsieur Samuel. Nonant également conseiller à la Cour, mais en service extraordinaire, Monsieur le professeur des universités Nicolas Mazio. Nommant avocat général à la Cour de cassation pour exercer les fonctions de procureur général, Monsieur Patrick Matté, qui exercera donc les fonctions de procureur général près la Cour d'Agen. Nommant enfin avocat général à la Cour de cassation, Madame Centrine Loget-Ziantara. Nous requérons qu'il plaise à la Cour bien vouloir procéder à l'installation de ces magistrats. Nous requérons en outre que soit présenté à la Cour M. Pierre-Yves Couillot, procureur de la République à Toulouse, nommé par décret du 25 juin 2018 avocat général à la Cour de cassation pour exercer les fonctions de procureur général près de la Cour d'appel de Fort-de-France, lui-même ayant été installé par écrit le 3 juillet dernier. M. Paul Chaumont, magistrat du premier grade, qui était jusqu'à maintenant en détachement et qui a été nommé par décret du 15 mars 2018 avocat général à la Cour de cassation et installé par écrit le 5 juin 2018. Je désigne Madame l'avocat général Bénicte Vassallo afin d'introduire les magistrats installés. Merci. Donc je prie Madame le conseiller Richard et
Madame l'avocat général Vassallo, de bien vouloir se rendre dans la chambre du Conseil et d'introduire les nouveaux magistrats. Bien. La Cour doit préalablement recevoir le serment de M. Nicolas Maziot, nouveau conseiller en service extraordinaire à la Cour. Monsieur le doyen, vous avez la parole. Nous requérons qu'il pèse à la Cour bien vouloir recevoir le serment de M. Nicolas Maziot, professeur des universités, nommé conseiller en service extraordinaire à la Cour de cassation. Monsieur le professeur Maziot, je vais donner lecture de la formule du serment que vous allez prêter. Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. La Cour vous donne acte de votre serment. Il va être désormais procédé aux installations et présentations qui ont été requises. Madame le directeur de greffe, vous avez la parole. Par décret du président de la République en date du 16 juillet 2018, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature lors de sa séance du 27 juin 2018, Madame Marie-Christine Leprince, président du tribunal de grande instance de Caen, est nommé conseiller à la Cour de cassation pour exercer les fonctions de premier président de la Cour d'appel de Rouen. Monsieur Alain Châteauneuf, président du tribunal de grande instance de Nice, est nommé conseiller à la Cour de cassation pour exercer les fonctions de premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion. Par décret du président de la République, en date des 24 mai et 18 juin 2018, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature lors de ses séances des 28 février et 3 mai 2018, sont nommés conseillers à la Cour de cassation. Madame Marie-Christine Petit-Daubignier, président de chambre à la Cour d'appel de Paris. Monsieur Étienne Bêche, président de chambre à la Cour d'appel de Douai. Madame Renée-Michel Hotte, présidente de chambre à la Cour d'appel de Metz. Madame Edith Sanchez-Sudre, présidente de chambre à la Cour d'appel de Versailles. Madame Catherine Sommet, présidente de chambre à la Cour d'appel de Paris. Monsieur François Gessel, substitut du procureur général près la Cour d'appel de Paris. Madame Lise Leroy-Gissinger, conseiller à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Monsieur Benoît Mornay, président de chambre à la Cour d'appel de Douai, et Xavier Samuel, conseiller à la Cour d'appel de Rouen. Par décret du président de la République en date du 3 août 2018, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature lors de sa séance du 12 juillet 2018, Monsieur Nicolas Maziot est nommé conseiller à la Cour de cassation en service extraordinaire. Par décret du président de la République en date du 30 juillet 2018, vu l'avis du Conseil supérieur de la magistrature lors de sa séance du 15 mai 2018, M. Patrick Mathé, inspecteur général de la justice, est nommé avocat général à la Cour de cassation pour exercer les fonctions de procureur général près la Cour d'appel d'Agen. Par décret du président de la République en date du 25 juin 2018, vu l'avis du Conseil supérieur de la magistrature lors de ses séances des 5 et 24 avril, 3, 15 et 16 mai 2018, est nommé avocat général à la Cour de cassation
Madame Sandrine Logez-Yantara, inspecteur général de la justice. Eh bien, la Cour donne acte à Monsieur le doyen des premiers avocats généraux de ces réquisitions, à Madame le directeur de greffe de la lecture des décrets de nomination, dont elle ordonne la transcription sur le registre de ses délibérations. Elle déclare les magistrats nouvellement nommés installés dans leurs fonctions et dit que du tout, il sera dressé procès-verbal. La Cour vous invite, mesdames et messieurs les conseillers et avocats généraux, à occuper les sièges qui vous sont réservés. L'installation étant prononcée, il me revient de présenter tous les vœux de réussite de la Cour à d'abord Madame Marie-Christine Leprince, dont l'expérience, acquise notamment à la présidence des tribunaux de grande instance d'Avranches, de Cherbourg et de Caen, sera précieuse pour diriger la Cour d'appel de Rouen. À Monsieur Alain Châteauneuf, riche des années passées à la présidence du tribunal de première instance de Mamoudzou et des tribunaux de grande instance d'Albertville, de Saint-Denis de la Réunion et de Nice, sa connaissance de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion est évidemment un atout particulièrement utile pour en être le premier président. Nous sommes heureux aussi de souhaiter la bienvenue à Madame Marie-Christine Daubigné. Après 32 ans de carrière, vous bénéficiez d'une expérience étendue, illustrée par des fonctions en juridiction, au siège et au parquet, notamment en matière de grande criminalité. Après un détachement de 3 ans au Conseil de la concurrence, vous avez dirigé au ministère de la Justice des projets consacrés aux nouvelles technologies de l'information. Président de chambre à la Cour d'appel de Paris depuis 4 ans, votre connaissance du contexte et des enjeux de l'activité économique et financière sera un apport précieux pour la Chambre commerciale. Monsieur Étienne Beck, vous comptez 34 ans de carrière dans des juridictions du Nord et de l'Est, où vous avez exercé de nombreuses fonctions du siège en matière pénale, social, mais également civil, ce qui vous a notamment conduit à appréhender le droit de la construction, en présidant en tout dernier lieu la chambre en charge de ce contentieux à la Cour d'appel de Douai. Votre expérience sera utilement mise au service de la 3e chambre civile de la Cour. Madame Renée Michel Hoth, vous exercez également vos fonctions depuis 34 ans au siège de juridiction du Nord et de l'Est. L'étendue de vos qualifications, votre maîtrise du droit du travail, renforcée par la présidence de la Chambre sociale de la Cour d'appel de Metz, vous désigne pour rejoindre la Chambre sociale de la Cour de cassation. Madame Edith Sanchez-Sudre, votre carrière a commencé il y a 36 ans au parquet, où vous avez exercé pendant 10 ans avant de rejoindre le siège. La large étendue de vos compétences civiles et pénales, illustrée notamment par vos affectations au cabinet du garde des Sceaux et au ministère des Affaires étrangères et européennes, justifie votre désignation pour siéger à la Chambre commerciale. Madame Catherine Sommet, votre carrière de plus de 30 ans s'est déroulée au siège de tribunaux d'instance, puis de grande instance, avant d'être affectée comme conseiller référendaire à la Cour de cassation en 2007. Vous y êtes resté 8 ans. Nommée en 2015 président de chambre à la Cour d'appel de Paris, vous y présidiez une chambre sociale traitant du contentieux prud'homal. Vous retrouverez donc
la chambre sociale de notre cour que vous connaissez déjà bien. Monsieur François Gessel, après 2 années passées au tribunal de grande instance de Saumur, vous êtes nommé en 1994 à la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la Justice, où vous exercez notamment les fonctions de chef de bureau, avant d'occuper à partir de 2003 celle de conseiller référendaire à la Cour de cassation. Puis vous avez été nommé en 2013 substitut général à la Cour d'appel de Paris, notamment au département des affaires civiles. Vous êtes affecté à la 3e chambre civile de notre Cour, qui bénéficiera ainsi de l'étendue des compétences que vous avez acquises. Madame Lise Leroy-Gissinger, après 15 années passées en tribunal de grande instance, à la direction des affaires civiles et du sceau et au conseil de la concurrence, vous aussi avez occupé à partir de 2004 les fonctions de conseiller référendaire à notre cour. Puis vous avez été nommé en 2013 conseiller à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, où vous avez été notamment en charge du contentieux de la responsabilité civile. Vous retrouverez la 2e chambre civile de notre cour que vous connaissez bien également. Monsieur Benoît Mornay, votre carrière professionnelle de plus de 30 ans s'est déroulée dans les fonctions du siège, dont vous avez enseigné la pratique à l'École nationale de la magistrature pendant 4 ans, après avoir présidé le tribunal de grande instance de Morlaix, avant de devenir conseiller de cour d'appel, puis président d'une chambre civile de la cour d'appel de Douai, d'où vous arrivez. Vos compétences variées seront précieuses à la première chambre civile de notre cour. Monsieur Xavier Samuel, votre parcours professionnel débuté en 1991 au parquet s'est poursuivi à la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice. En 1999, vous êtes nommé conseiller référendaire à la Cour de cassation. Vous quittez la Cour en 2004 pour occuper les fonctions de chargé de mission au service juridique du Conseil constitutionnel, puis en 2007, celle de conseiller technique du garde des Sceaux pour les questions constitutionnelles et de liberté publique. Votre expérience de pénaliste, renforcée encore par des fonctions de substitut général à la Cour d'appel de Paris dans le domaine du terrorisme et de conseiller à la Cour d'appel de Rouen, notamment en matière correctionnelle, vous désigne pour rejoindre la Chambre criminelle. Monsieur Nicolas Mazio, professeur des universités, agrégé de droit public, vous avez acquis une grande connaissance de la diplomatie et des institutions internationales avant d'être détaché en 2010 à la Cour de cassation, d'abord comme conseiller référendaire, puis comme chargé de mission auprès du Premier Président. Désigné en qualité de conseiller en service extraordinaire, vos compétences justifient votre affectation à la Chambre criminelle. Avant de laisser à Monsieur le doyen des premiers avocats généraux le soin de les présenter davantage, je voudrais souhaiter également la bienvenue, ou plutôt un bon retour, à notre nouvelle collègue nommée avocat général, Madame Sandrine Loger-Ziantara, bien connue de la Cour, comme ancienne avocat général référendaire à la Chambre criminelle, où elle a laissé un souvenir particulièrement remarqué jusqu'en 2012, ainsi qu'à Monsieur Patrick Matté, qui rejoint aussi la Cour en qualité d'avocat général pour exercer les fonctions de procureur général près la Cour d'Agen. Bienvenue encore à Monsieur Pierre-Yves Couillot et Monsieur Paul Chaumont, lui aussi bien connu et très estimé de la Chambre criminelle, où il a été conseiller référendaire jusqu'en 2013. Ces deux nouveaux magistrats sont présentés aujourd'hui à la Cour, ayant déjà pris leurs fonctions, en qualité respectivement de procureur général près la Cour d'appel de Fort-de-France et d'avocat général à la Cour de cassation. Monsieur le doyen des premiers avocats généraux, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Premier Président.
Comme on le sait, les nominations de chef de cour d'appel en qualité de conseiller et d'avocat généraux à la Cour de cassation marquent leur appartenance à notre cour. Cela est heureux, cela symbolise très bien la nécessaire unité et la nécessaire synergie qui doit présider à l'ensemble de notre institution judiciaire. C'est ainsi que je suis particulièrement heureux de saluer Madame Marie-Christine Leprince, qui va occuper les magnifiques fonctions de chef de cour, cette très belle cour d'appel de Rouen, et Monsieur Alain Châteauneuf, qui lui-même va exercer les fonctions de premier président à Saint-Denis de la Réunion, qu'il connaît déjà extrêmement bien, ce qui sera très précieux pour lui. Et effectivement, Madame, Monsieur, chers collègues, vos expériences professionnelles riches et diversifiées vous permettront de connaître, nous en sommes tous persuadés, une pleine réussite dans l'accomplissement de votre mission. Messieurs les procureurs généraux, vous êtes désormais avocats généraux, membres de la Cour de cassation. Alors, vous n'allez pas pour l'instant venir rédiger des avis et les prononcer chez nous. Vous avez une mission tout aussi importante sur le terrain. Et en effet, outre votre mission d'administration régionale, en partenariat avec les premiers présidents, vous jouerez un rôle souvent méconnu, parce que vous ne serez pas sous les feux de la rampe. Mais ce rôle n'en est pas moins déterminant en matière de coordination régionale de la politique pénale et de l'animation des parquets de votre ressort. Il vous appartient de fédérer ces parquets, de fédérer leur action, sans les brider pour autant. Vous n'êtes plus procureur, vous êtes procureur généraux, mais au contraire, en les assistant et en les entraînant dans la conduite d'une action publique préventive et répressive, cohérente, lisible et adaptée. À cet égard, l'expérience très diversifiée et très riche de M. Patrick Matté dans le cadre des juridictions d'outre-mer et métropolitaine, notamment à Narbonne, comme procureur de la République, ainsi qu'à Ajaccio, mais aussi en détachement, comme directeur de projet auprès du secrétaire général du ministère de la Justice, ou en qualité d'inspecteur général de la Justice, constitue autant d'atouts pour exercer les fonctions de procureur général à Agen. Par ailleurs, et de même l'engagement très fort et la réussite constante de M. Pierre-Yves Couillot tout au long de sa carrière dans les différentes attributions du ministère public, notamment en tant que chef de 4 parquets différents ou en tant que conseiller pénal, conseiller pour les affaires de droit pénal au cabinet du garde des Sceaux, sont les gages de l'expertise qu'il pourra mettre à profit en qualité de procureur général à Fort-de-France. Mesdames et messieurs les chefs de cour, je forme pour chacun d'entre vous des vœux très chaleureux de réussite et de plein accomplissement dans l'exercice de votre mission cruciale de gestion régionale, ainsi que d'animation de l'action des juridictions et d'affirmation dans vos territoires de la présence de la justice et du droit. Les chefs de cour du passé, je dirais d'un passé lointain, étaient d'ailleurs souvent des messieurs d'un certain âge, qu'on ne connaissait pas très bien et qui semblaient exercer des pouvoirs d'autant plus terribles qu'ils étaient mystérieux et méconnus. Les chefs de cour de notre temps sont plus tout à fait les mêmes. Ils sont en effet bien plus proches des magistrats et des fonctionnaires de leur ressort, et leur action quotidienne est en prise directe avec la vie de la cité et des juridictions. Veiller aux conditions d'exercice exactes et scrupuleux d'une bonne justice. Gérer des ressources rares, ce qui est déficient de l'économie, mais notamment de la nôtre, d'économie judiciaire. Concevoir, impulser et conduire des politiques judiciaires régionales. Entraîner et fédérer les magistrats et fonctionnaires de leurs cours et de leurs ressorts. Être attentif aux conditions de travail des membres des juridictions, mais aussi des membres du barreau qui nous assistent dans notre mission de justice. Être également attentif aux conditions d'accueil et de traitement des justiciables. Être enfin, quand nécessaire, un conseil, un soutien, un référent déontologique pour leurs magistrats. Au-delà, avec l'extérieur, entretenir un dialogue fructueux avec nos premiers partenaires que sont le barreau et les professions judiciaires, ainsi qu'avec tous les grands acteurs institutionnels et administratifs. Voilà la réalité de ces très très belles fonctions qui sont désormais les vôtres et dans lesquelles je vous souhaite beaucoup de bonheur. Mesdames et messieurs les conseillers, chers collègues, certains d'entre vous connaissent cette cour pour y avoir exercé des fonctions de conseiller référendaire. Comme vous le savez,
À l'instar de l'avocat général, le conseiller à la Cour de cassation n'est pas un magistrat seul, isolé dans son travail et dans l'examen des pourvois qui lui sont soumis. Au contraire, c'est ainsi que de la diversité des connaissances, le décloisonnement et la confrontation des points de vue constituent des pierres angulaires d'une décision riche et surtout adaptée. Je ne peux dès lors que, de mon côté, vous inviter, dans le respect, bien évidemment, des attributions de chacun, à développer ces échanges avec les magistrats du parquet général. Monsieur le Premier Président, le parquet général a également le plaisir d'accueillir très chaleureusement deux nouveaux avocats généraux qui contribueront par leur expérience au siège et au parquet à enrichir et nos travaux et nos réflexions. Comme certains conseillers qui nous rejoignent, ils connaissent très bien cette maison pour y avoir exercé des fonctions d'avocat général et de conseiller référendaire. Ils savent donc ici, leur parcours en est la preuve d'ailleurs, que cette distinction entre le siège et le parquet n'a pas beaucoup de sens pour qui comprend vraiment l'essence de notre fonctionnement et la mission dévolue à la Cour. C'est ainsi que j'ai le plaisir d'accueillir Madame Sandrine Loget-Ziantara, inspecteur général de la justice, installée ce matin, et qui nous offre une expérience professionnelle très diversifiée. Substitut à Brest, puis la chancellerie, pour finir d'apprendre le métier, avant de rejoindre en 1997 l'océan Indien comme juge à Mamoudzou. À la suite de votre retour au sein des services centraux de la chancellerie, du ministère, vous occuperez à nouveau un poste ultramarin, puisque vous devenez vice-président à Papeete en 2005. À votre retour en métropole en 2009, vous rejoignez la Cour de cassation en tant qu'avocat général référendaire, poste nouvellement créé. Conseiller pénal au cabinet du garde des Sceaux en 2012, vous occuperez plusieurs fonctions, dont celui très très important de directeur du GIP, mission de recherche droit et justice, avant de nous rejoindre aujourd'hui. Vos compétences reconnues et recherchées en matière pénale ont conduit à vous affecter au service de la chambre criminelle. Il me revient également de saluer M. Paul Chaumont, avocat général installé par écrit le 5 juin 2018 et qui est donc présenté solennellement à la Cour ce matin. Votre riche expérience, votre carrière déclinée au siège, présente des compétences qui seront particulièrement précieuses pour le parquet général et une fois de plus, par votre exemple, vous incarnez parfaitement ce qui est souhaitable, éminemment souhaitable et qui sera toujours souhaitable pour notre corps, c'est-à-dire son unité, également caractérisée par le changement de fonction. En effet, c'est ainsi qu'après avoir exercé fonction de commissaire de police, vous ralliez la magistrature, le corps judiciaire, et à la sortie de l'École nationale de la magistrature, vous devenez juge placé auprès du premier président de la Cour d'appel de Versailles. Donc, vous tournez dans un ressort dont les juridictions sont, excepté l'une d'entre elles, considérables, et donc vous avez l'occasion d'y découvrir une réalité difficile et diversifiée. Vous occuperez ensuite successivement des fonctions de juge au tribunal de Versailles, puis à Nantes, plus particulièrement chargé du tribunal d'instance. Vous rejoignez la Cour en 2003 comme conseiller référendaire, avant d'être nommé conseiller à la Cour d'appel d'Angers. Enfin, en 2015, vous êtes appelé à Monaco, où vous exercez les fonctions de conseiller à la Cour d'appel, fonction que vous quittez au printemps dernier pour rejoindre notre parquet général. Votre parcours a conduit le procureur général à vous affecter en juin dernier à la première chambre civile, et nous bénéficions déjà, cette première chambre, de vos compétences tout à fait remarquables. Ce n'est pas un mot protocolaire, j'ai pu le constater et je puis en attester, Monsieur le Premier Président. Bien, nous arrivons maintenant à la troisième partie de cette audience qui concerne 5 conseillers référendaires, un avocat général référendaire et 4 auditeurs. Monsieur le doyen des premiers avocats généraux, vous avez à nouveau la parole. Je suis désolé, mais c'est vrai, je parle beaucoup. Nous avons l'honneur de soumettre à la Cour les décrets des 24 mai, 18 juin, 25 juin et 23 août 2018, nommant conseiller référendaire à la Cour de cassation Madame Florence Marguerite, Madame Anne Fédot-Thieffry, Madame Julie Vigneras, Madame Casdano, Monsieur Samuel Aparisi comme avocat général référendaire, ainsi que comme
auditeur des premiers et seconds grades à la Cour de cassation, Madame Guillemin, Monsieur Gilquin Vaudour. Nous requérons qu'il plaise à la Cour bien vouloir procéder à l'installation de ces magistrats. Nous requérons en outre que soit présentée à la Cour Madame Julie Thomas Davost, ainsi que Madame Marine Cottereau et Madame Aurélie Noël. Je désigne Madame l'avocat général Pauline Cabi afin d'introduire les magistrats installés. Bien, nous allons donc procéder à ces installations. Je prie Monsieur le conseiller référendaire Leman de Chermont et Madame l'avocat général référendaire Cabi de bien vouloir se rendre dans la chambre du conseil afin d'introduire les nouveaux magistrats. Madame le directeur de grève, vous avez la parole pour la lecture des décrets de nomination. Par décret du président de la République en date des 24 mai et 18 juin 2018, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, lors de ses séances des 22 février et 23 mai 2018, sont nommés conseillers référendaires à la Cour de cassation. Madame Florence Marguerite, magistrat du premier grade placé en position de service détaché. Madame Anne Fédot-Thieffry, conseillère à la Cour d'appel de Rouen. Madame Julie Vigneras, magistrat du premier grade placé en position de service détaché. Et Madame Stéphanie Casdano, premier substitut à l'administration centrale du ministère de la Justice. Par décret du président de la République en date du 25 juin 2018, vu l'avis du Conseil supérieur de la magistrature lors de ses séances des 5 et 24 avril, 3, 15 et 16 mai 2018, est nommé avocat général référendaire à la Cour de cassation, M. Samuel Aparisi, vice-président au tribunal de grande instance de Paris. Par décret du président de la République en date du 23 août 2018 sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature lors de sa séance du 25 juillet 2018, sont nommés auditeurs du premier grade à la Cour de cassation, Madame Caroline Guillemin, vice-président au tribunal de grande instance de Versailles, chargée du service du tribunal d'instance de Poissy, et auditeur du second grade à la Cour de cassation, Monsieur Arnaud Gilquin Vaudour, juge au tribunal de grande instance de Sens, chargé du service du tribunal d'instance de Sens. Merci. Et la Cour donne acte à Monsieur le doyen des premiers avocats généraux de ces réquisitions, à Madame le directeur de greffe de la lecture des décrets de nomination dont il ordonne la transcription sur le registre de ses délibérations. Elle déclare les magistrats nouvellement nommés installés dans leurs fonctions et dit que du tout il sera dressé procès-verbal. La Cour vous invite, mes chers collègues, à bien vouloir rejoindre les sièges qui vous sont réservés. Bienvenue donc à Madame Florence Marguerite. Vous avez débuté votre carrière en 2002 au parquet, avant de rejoindre en 2007 la direction des affaires criminelles et des grâces, puis en 2014 le Conseil d'État comme maître des requêtes en service extraordinaire. Vous y avez été spécialisée notamment en droit social. La Chambre sociale sera donc heureuse de bénéficier des compétences que vous avez ainsi acquise. Madame Anne Fédot-Thieffry, vous êtes nommée juge des enfants en 2000, puis vous exercez des fonctions variées
au siège de tribunaux d'instance et de grande instance, ainsi que de cours d'appel. Votre parcours, déjà étendu, sera très utile à la première chambre civile. Madame Julie Vigneras, vous avez débuté votre carrière il y a 15 ans comme juge d'instance. Après l'avoir poursuivi 4 ans plus tard en tribunal de grande instance, où vous avez pratiqué notamment le contentieux de la sécurité sociale, vous avez été détaché en 2013 auprès des juridictions administratives en tant que premier conseiller. Votre expérience déjà variée sera précieuse à la deuxième chambre civile. Madame Stéphanie Casdano, après une carrière débutée en 2005 et pendant 9 ans comme juge d'instance, vous êtes mise à disposition du ministère des Affaires étrangères et nommée en 2014 magistrate de liaison en Allemagne. La chambre commerciale sera heureuse de vous accueillir. Je voudrais par ailleurs saluer l'arrivée au parquet général en tant qu'avocat général référendaire de M. Samuel Aparisi, que M. le doyen des premiers avocats généraux accueillera plus longuement dans un instant. Bienvenue également aux deux auditeurs qui viennent renforcer les équipes du service de documentation, des études et du rapport, très impliquées notamment dans les actuels projets d'évolution de la Cour. Il s'agit de Mme Guillemin, qui a exercé au sein des tribunaux d'instance de Péronne, d'Albi et de Poissy depuis son entrée dans la magistrature en 2007, et de M. Arnaud Gilquin-Vaudour, qui arrive tout juste du tribunal d'instance de Sens, où il a été nommé dans son premier poste en 2016. Il m'appartient enfin de présenter à la Cour un conseiller référendaire déjà installé, ainsi que deux auditeurs affectés depuis quelques mois au service de documentation, des études et du rapport. Il s'agit d'abord de Mme Julie Thomas Davost. Votre expérience, commencée en 2003 comme juge d'instance et juge de grande instance pendant 12 ans, notamment en qualité de juge départiteur de conseil de prud'homme, est complétée par un détachement à l'École nationale de la magistrature comme coordonnatrice régionale de formation pendant 3 ans pour la Cour d'appel de Rennes, vient enrichir la chambre sociale de notre Cour en qualité de conseiller référendaire. Madame Marine Cottreau, après avoir exercé votre carrière en 2009, après avoir commencé votre carrière en 2009 au parquet puis à l'instruction, vous avez été affectée comme auditeur par le directeur du service de documentation, des études et du rapport au bureau du contentieux de la chambre criminelle. Enfin, Madame Aurélie Noël, entrée dans la magistrature comme juge en 2015, vous avez exercé vos fonctions au tribunal de grande instance de Versailles. En la même qualité d'auditeur, vous avez pris la responsabilité du bureau du contentieux de la chambre sociale. Monsieur le doyen des premiers avocats généraux, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Premier Président. Donc, au titre des nominations dont bénéficie également notre cour, j'ai le grand plaisir de saluer au nom de l'ensemble des magistrats du parquet général nos 5 nouveaux collègues conseillers référendaires. Il n'est nul besoin de préciser que les référendaires apportent un concours essentiel à chaque chambre dans l'examen des pourvois qui leur sont déférés. C'est la raison pour laquelle je suis certain que vos fonctions vous offriront de grandes satisfactions intellectuelles et personnelles. L'expérience acquise vous permettra, puisque vous n'êtes pas définitivement nommé à la Cour de cassation, mais pour une durée limitée à 10 ans, et bien à la fin de cette durée, ou peut-être parfois un peu avant, l'expérience très riche que vous aurez acquise ici vous permettra d'irriguer les juridictions du fond de la doctrine de la Cour, comme le souhaitait le grand premier président Robert Schmelk il y a à peu près 45 ans, monsieur le premier président. Le parquet général se réjouit également d'accueillir monsieur Aparisi en qualité d'avocat général référendaire. Vous débutez votre carrière dans l'Yonne, au sud de la Cour d'appel de Paris, comme juge au tribunal de grande instance de Sens, affecté à Joigny, que vous quittez en 2006 pour rejoindre cette fois le nord de cette même Cour d'appel en qualité de juge à Bobigny. À l'issue de fonction en tant que magistrat au ministère de la Justice, vous serez nommé vice-président au tribunal de grande instance de Paris,
où vous retrouverez notamment des fonctions au tribunal d'instance du 16e arrondissement. Ce n'est évidemment pas tout à fait le même public. Les qualités et les compétences que vous avez manifestées dans ces différentes responsabilités constitueront un apport précieux pour la deuxième chambre de notre cour. J'ai par ailleurs plaisir à saluer les deux auditeurs installés par écrit et aujourd'hui présentés, Madame Cotreau et Madame Aurélie Noël. Affectés au service de documentation des études et du rapport, vous trouverez de grandes satisfactions dans ce service qui est essentiel à la vie juridictionnelle de la Cour, ainsi qu'au rayonnement de sa jurisprudence et de son action scientifique. Mes chers collègues, nouveaux membres de la Cour de cassation, que vous apparteniez au siège ou au parquet général, vous rejoignez cette institution centrale de l'État de droit pour sa défense et sa consolidation qu'est la Cour de cassation. Défendre et consolider l'État de droit sera en effet votre mission principale et intangible, même si celle-ci a beaucoup évolué au cours du temps et continue de suivre des évolutions majeures. L'époque est révolue en effet, où le juge judiciaire était reconnu comme le premier gardien des libertés. Dans l'ordre interne, il partage ce rôle avec bien d'autres autorités, et c'est heureux. Ainsi qu'a pu le dire avec un désarmant bon sens un ancien garde des Sceaux, comment peut-on se plaindre qu'on multiplie les organes garants des libertés ? Par ailleurs, dans l'ordre international, ce rôle de gardien des libertés est aussi partagé avec d'autres juridictions ou organismes issus des traités auxquels notre pays a choisi d'adhérer, juridictions et organismes qui peuvent entrer en désaccord avec notre Cour de cassation et lui imposer leur propre vision de la défense des libertés. On songe évidemment en premier lieu à la Cour européenne des droits de l'homme, dont il n'est pas rare qu'elle exprime ses divergences avec notre Cour, provoquant ainsi la mise en œuvre des mécanismes de révision de nos arrêts destinés à mieux intégrer l'ordre européen des libertés. Pour limiter les risques de contrariété de décision avec la Cour européenne des droits de l'homme, notre Cour s'applique à mieux intégrer ces modes de raisonnement, notamment le principe de proportionnalité, dans l'atteinte qu'une règle interne peut porter à un droit fondamental. Cette adaptation, qui participe plus généralement de l'enrichissement de la rédaction traditionnellement brève des arrêts de la Cour, fera l'objet, avant la fin de l'année, du rapport d'un groupe de travail animé sur ce thème par le président Pirer, notre directeur du service de documentation des études et du rapport. Toujours dans le but de limiter les risques de divergence entre notre Cour et celle de Strasbourg, est entré en vigueur au cœur de l'été, le 1er août dernier, le protocole permettant à la Cour de cassation d'interroger la Cour européenne sur une question de droit européen avant toute décision, ainsi que nous en avons déjà la faculté avec la Cour de justice de l'Union européenne à Luxembourg. Il nous appartient désormais de faire vivre ce nouvel outil. Mais les cours européennes ne sont pas les seules gardiennes des libertés dont les appréciations interpellent notre Cour de cassation. Par exemple, un organisme international, en principe non juridictionnel, a aussi reçu cette mission de gardien des droits fondamentaux qui lui permet de constater une divergence avec notre Cour. Il s'agit du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, qui, au cœur de l'été encore, le 10 août dernier, a constaté
que notre assemblée plénière elle-même avait méconnu des droits fondamentaux reconnus par le pacte international des droits civils et politiques dans l'affaire connue sous le nom de Babylou. Même si cette constatation n'a pas en droit de force contraignante, l'autorité qui s'y attache de fait constitue un facteur nouveau de déstabilisation de la jurisprudence qui vient perturber, aux yeux des juges du fond, le rôle unificateur de notre cour, qui plus est, au niveau le plus élevé de son assemblée plénière. C'est pourquoi il nous faut réfléchir en permanence à de nouveaux mécanismes nécessaires pour intégrer les directives croissantes d'origine diverse et pas toujours cohérente que reçoit notre cour et qui, encore une fois, exerce nécessairement une incidence forte sur la motivation de ces arrêts. En réalité, ce phénomène d'internationalisation appelle la culture judiciaire et juridique française à entrer en synthèse avec la culture anglo-saxonne, qui a toujours réservé une plus grande place aux juges dans la définition de l'état de droit, attendant de lui, en contrepartie de ce pouvoir, une motivation développée de ses décisions. C'est à cette grande maturation de notre droit que nous participons actuellement, et c'est ce défi que vous êtes appelés à partager désormais avec nous, mes chers collègues. Dans ce contexte, insiste-t-on suffisamment sur la défense de la langue française, vecteur traditionnel de l'influence de notre pays et en particulier de ses conceptions juridiques? Ne sommes-nous pas un peu naïfs de penser que l'anglais puisse devenir ce vecteur de l'influence du droit français, alors que, ayant déjà conquis le domaine des affaires et celui des sciences, cette langue assure naturellement à son tour l'expansion de sa propre culture judiciaire et juridique? C'est pourquoi notre cour est très engagée dans l'action de l'Association des cours supérieurs francophones, dont elle assure le secrétariat général, avec le dynamisme que je salue du président Jean. Vous le voyez, c'est donc une cour de cassation fortement ouverte sur l'action internationale, qu'elle essaie d'accompagner activement plutôt que de la subir, que vous rejoignez, chers collègues, et je vous invite à y prendre également toute votre place. À tous, je renouvelle mes voeux de parfaite intégration et de satisfactions nombreuses, personnelles, intellectuelles et humaines, parmi nous et avec nous. Monsieur le doyen des premiers avocats généraux, vous avez la parole. Voilà, c'est la dernière fois, je vous le promets. Mes chers collègues, cette nouvelle et importante étape de vos carrières intervient à une période également importante pour la vie de la Cour. Comme vous le savez, en effet, une réflexion essentielle y est actuellement menée sur nos modes d'intervention, motivation, contrôle de proportionnalité, mode de traitement des pourvois, notamment au stade de leur entrée. Ces questions qui touchent au cœur de l'office du juge concernent aussi l'ensemble des juridictions. Une très importante phase d'étude a ainsi d'ores et déjà été réalisée, tant au regard des principes fondamentaux et règles du droit interne et européen, qu'en termes de faisabilité pratique. Au stade où nous en sommes, les solutions définitives ne sont pas encore cristallisées et devraient débuter une large période d'expérimentation et d'évaluation, je crois, permettant d'affiner les dispositifs envisagés, ainsi que leur pleine appropriation et nécessaire appropriation par l'ensemble des intervenants au processus juridictionnel. C'est dire combien votre regard et votre participation sont attendus et nécessaires.
Ils le sont parce que vous êtes dès à présent pleinement membre de notre cour, parce que vous apportez un regard neuf et parce que ce regard est encore celui des juridictions du fond et que celui-ci est essentiel à ce titre, car tout ce qui sera accompli dans les chantiers en cours rétroagira nécessairement sur l'ensemble du système judiciaire et même périjudiciaire. Que vous intégriez le siège ou le parquet de la Cour, vous devenez partie prenante d'un processus collaboratif que je crois exemplaire ici, dans l'élaboration de la décision. Magistrat du siège, du parquet ou du service de documentation et d'études, fonctionnaires de justice tellement précieux, avocats au conseil sans lesquels il n'y aurait pas de justice, je tiens à le rappeler. Chacun joue pleinement son rôle dans le respect de celui des autres. Ce dialogue permanent et cette collaboration des différents acteurs créent la synergie indispensable à une application exacte et scrupuleuse de la loi, ainsi qu'à l'élaboration de décisions pertinentes et adaptées aux personnes et aux situations concernées. Il m'incombe ici de rappeler une fois encore le rôle et la place du parquet au sein de notre cour pour le bénéfice des nouveaux arrivants. Rien n'est plus vrai, comme le procureur général Jean-Claude Marin le soulignait souvent, que ce parquet n'en est pas vraiment un. Il n'en est pas un à proprement parler. Il s'agit en réalité, comme vous le savez ou comme vous devriez le savoir, d'une communauté de jurisconsultes entièrement indépendants dans l'établissement des avis qu'ils soumettent aux chambres en toute impartialité. Ils ne sont d'ailleurs, comme on le sait ou comme on devrait le savoir, pas des parties aux procédures. Et selon la formule du Code de l'organisation judiciaire, nos avis, nous les formulons dans le seul intérêt de la loi et du bien commun. Notre mission est là encore, selon la loi, d'éclairer la Cour. Et je le dis avec beaucoup d'humilité, c'est une très belle mission, mais c'est aussi une très difficile exigence. Et on se demande tous ici, jour après jour, si on n'a pas failli ou pas. C'est encore plus difficile. Si la Cour de cassation est tout entière consacrée à assurer le règne de la loi, son activité ne se limite pas pour autant aux arrêts, à la juridiction. Loin s'en faut. L'exercice de nos missions prend aussi d'autres formes. C'est ainsi qu'autour de ces décisions gravite une activité intense. On en aura pour exemple, notamment, la cinquantaine de colloques et manifestations tenues chaque année sur des sujets historiques, juridiques et de société. Colloques d'une très très grande tenue scientifique. La participation des membres de la Cour à de nombreuses commissions de réflexion internes et externes, l'audition régulière des chefs de cour par le Parlement et les grandes institutions et autorités publiques. Ce rapide tableau ne serait pas complet s'il n'était adjoint le cadre des relations internationales nécessaires pour guider la fluidité des échanges, non seulement entre cours suprêmes, mais également dans le cadre plus général de la coopération entre les États et dans celui d'une meilleure compréhension des systèmes étrangers. Je rappellerai à cet égard, d'une part, la signature le 15 mai dernier d'un protocole d'accord entre le parquet général de la Cour et le parquet de la Haute Cour de cassation et de justice de Roumanie, et d'autre part, la réunion au sein de cette grande chambre, le même mois, du réseau des procureurs des cours suprêmes de l'Union européenne, décliné en 31 délégations, et une centaine de magistrats étrangers quand même, réseau présidé par Monsieur le procureur général Jean-Claude Marin. Vous venez, chers collègues, ainsi, vous le voyez, d'intégrer un monde actif, un monde ouvert, qui est bien loin des clichés véhiculés d'une cour repliée sur elle-même et arc-boutée sur les voûtes rigides d'une tradition séculaire et dédiée à des exercices de style desséchant, ainsi qu'à un juridisme stérile. Vous œuvrerez donc en prise directe sur des questions de société essentielles, et vous le verrez, et sur la vie de nos concitoyens, dossier après dossier, en les regardant, vous verrez que vous êtes au cœur, très souvent, de questions essentielles et de tous les jours, donc très importantes pour nos concitoyens. Plus que jamais, ainsi, dans vos carrières, vous aurez le sentiment d'exercer pleinement ce rôle de régulateur, ce rôle d'artisan du bien social qui est celui auquel nous devons tendre, nous autres magistrats. Alors, les premiers pas à la Cour peuvent paraître impressionnants, tous
siège, parquet, le premier rapport devant la Chambre, les premières conclusions, on est un peu impressionné, on a un peu peur. Alors peut-être à l'image du souvenir qu'on a des premiers commentaires d'arrêt à l'université. Mais sachez que tous ici vous apporteront toute l'attention, toute l'assistance propre à faciliter votre prise de fonction. Et j'aime à rappeler cette phrase que le grand professeur Jean Rivero disait à ses doctorants et puis à ses agrégatifs. Il nous disait, dès que vous serez docteur, quand vous serez agrégé, vous ne commettrez plus d'erreurs, vous émettrez des opinions. Eh bien ici, ce n'est plus des propositions, chers collègues, que vous émettez, vous dites le droit. Et vous êtes donc, dès cet instant, pleinement membre de notre compagnie. Bienvenue chez vous. Eh bien, l'audience solennelle peut maintenant être levée. Je vous invite, mesdames et messieurs, si vous le voulez bien, à rejoindre maintenant l'atrium situé au fond de la grande chambre, de façon à ce que nous puissions mieux faire connaissance avec les nouveaux magistrats. L'audience solennelle est levée. Avant, vous alliez embrasser l'homme blond.